Ok ma grande, t'as eu de la chance la dernière fois, cette fois, aïe, bordel, je vais pas te faire de cadeau. Allez. Bordel de merde. Maintenant, je connais ton pattern, je connais tes techniques. Et autant te dire, quand j'ai du plus gros et du plus fort, je vais rester invaincu. Bon, ça va exclure les très nombreuses fois où tu m'auras pété la gueule. Olé. Désolé, d'ordinaire, j'aborde la violence contre les femmes, mais bon. Tu as su te prouver être un opposant digne pour ma personne. Et voilà. Je connais ton pattern et tes points faibles. Bien essayé et bien tenté. Extrêmement bien tenté. Et merde. Là, effectivement, j'ai l'air con. Hop là. Tété. Olé. Yes. Je te tiens. Allez. Mange tes coups. Et... Mais bordel de merde, elle maîtrise la technique du corps d'acier ou ça se passe comment? Si jamais le proprio de ce personnage est dans le coin, qui se manifeste pour donner une explication? Oh, bon. Adieu. Ok. Là, je te tiens. Tu es arrivé 1000 ans trop tôt pour espérer me défier. Mais je dois reconnaître que t'es une bonne combattante. Et ouais, tu peux clairement continuer de progresser. Au moins, c'est ça, t'es pas venu pour rien. Et boum, mes dynaminettes, et bienvenue dans Non, je veux pas me battre contre toi. Les viewers, ils ont vu le combat, ils ont vu que j'ai gagné d'une façon équitable et distinguée. Ouf. Oh, bordel de merde, quel combat. Donc je disais bienvenue sur Crash Gamin, des jeux divers variés du fun du skill. Dans la limite des stocks disponibles, et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel l'épisode sur Tribal Hunter, ok, je sais pas ce qui vient de se passer, mais tout va bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la suite, car rappelez-vous que je retrouve la carte voile. Nous nous dirigeons vers la zone ténébreuse, mystique et mystérieuse, où je me suis paumé la dernière fois. Donc on va bien voir qu'est-ce qui peut bien se cacher là-bas, sachant qu'apparemment il y aurait 3 boss cachés. Et ben allons-y. Je vous retrouve après une petite ellipse, où justement,
Je vais me retrouver à côté du point de vol. A tout de suite. Et hop pouf. C'était pas une mince affaire pour revenir ici, mais nous voilà. Chers amis, ça y est, nous avons atteint les Shadowlands et notre petite amie ici présente nous a appris qu'il y a des fantômes et qu'ils ont peur des loupiottes qui sont ici. Donc il va falloir avancer avec prudence et vigilance. Non merde, c'est pas ça. Ah. Ouh, le beau champi, oui il est beau. Et apparemment, ouais, ces fantômes remplissent notre barre de faim. Tu. Hep, hep, hep. L'autre, il veut boire notre sang. Pas question, pas sans consentement, monsieur. Hop, 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 hop. Allez, vas-y, viens. Viens. Il ose pas. D'accord, donc maintenant, je comprends comment ces fantômes fonctionnent. Ils remplissent notre barre de faim. Et le seul moyen de s'en débarrasser... et d'atteindre une lumière. Mais je sens bien la connerie que si jamais il y a trop de corruption en une seule fois, il va nous arriver des bricoles. Hop là. Hop. Nya, 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 nya. Lâche. Et évidemment, à court de gaz, quand t'as besoin de feu, c'est toujours un plaisir. Là. Purifié de tout mauvais esprit. Continuons. Ah, bonjour. Alors, fais attention à cet endroit étrange. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, il y a des monstres et autres rampants, d'accord. Je suis venu ici pour trouver une ancienne ville, mais j'ai trop peur pour continuer. Oh, t'inquiète. J'ai peur de rien. Alors, je suis sûr que t'as déjà réglé leur cas, ils sont partout. Fais juste attention à pas te faire posséder. Ah, bah exact. Je voulais pas montrer l'enregistrement, mais oui, il faut utiliser la magie pour justement flinguer ces petits bâtards de fantômes. Hop. Bon, le souci, c'est que j'ai pas trop. Bordel de merde. Je n'ai point trop de points de faim pour l'instant pour les gérer. Hop là. Aïe. Hop. Allez, viens. Allez, viens. Viens, je vais pas te taper, viens! Aïe! Je fais le malin, c'est moi qui prends tout dans la tronche. Et bordel, la cour de gaz, mais c'est bien ma chance, ça! Lâche-moi, ça! Vas-y, viens. Aïe! Hop là. Ah, parfait. Peu de lait. Et bien à toi. Ça fait bien de se régénérer un petit peu. J'arrive plus à parler, c'est génial. Ah bah il était coincé. Hop là. Apparemment le champi serait par là. Le délicieux champignon. Et voilà. Et hop. On se régène un petit coup. Bon, par contre, il va falloir que je trouve d'autres objets. Tout va bien. Hop. Tout va bien. Tout est géré par un professionnel du professionnalisme. Tu. Tiens. Ah bah là pour le choper en bas, c'est baisé. Attends, hop. Ouais,
bien. Allez hop, ça dégage. Hop. Ouais, un peu plus, et c'était la fosse à pic. Continuons la visite et l'exploration de cet endroit mystique, magique et mystérieux. Oh, un checkpoint. Parfait. Ah, salut. Alors, ouais, voilà, je suis d'accord avec Punch, c'est un peu dangereux de se balader par ici. Ah, bonjour. Que pensez-vous de cet endroit? Inspirant, n'est-ce pas? Ouais, il fait très très sombre, hein, c'est... C'est pas terrible. Ah non, pas juste ça. L'histoire tragique qui émane de cet endroit, je peux la sentir. Vous pouvez la sentir? Ouais, évidemment, je... Comment dire... Je ressens toute la puissance de l'histoire de cet endroit, oh là là. La tragédie est un stimulus parfait pour la croissance artistique. Les anciennes ruines sont particulièrement bien. Ah, bah c'est de la guilde des artistes. Ah bah tu devrais, ouais, retourner au village parce que les autres, ils commencent à se demander où t'es passé. Tu peux te protéger toi-même. Bon bah écoute, pourquoi pas. D'accord, donc tu veux intérioriser l'aura de l'endroit, d'accord. Alors, j'ai des conseils. Ah, des conseils, dis-moi. Dis-moi, quels sont tes conseils? Alors, les fantômes. Si tu deviens possédé par des fantômes, appuie sur attaque à temps pour t'échapper. Take care. Ok, jusque-là tout va bien. Ensuite, le pouvoir de la lumière. D'accord, donc bah jusque-là on l'a compris, rester à côté des lampadaires ça purifie de l'énergie maléfique. Alors, les bombes poupées vont vous chasser et exploser, frapper pour créer de la distance avant que ça pète. D'accord. Bon, jusque-là tout va très très bien, c'est parfait. Ensuite, c'est tous les conseils que tu peux me donner. Parfait, merci madame. Vous êtes bien aimable, c'est bien urbain de votre part de me donner de si précieux conseils. Oh bordel de merde. Bon bah, en avant Guingamp, hop. Parcours. Tu crois que je te vois pas? Oh Je l'ai senti venir. J'ai senti. Ça sentait le piège. Hop là. Hop. Ah bah, vu qu'on a plein d'XP, augmentons nos habilités. Alors... Ah voilà. Parfait. Maintenant, la première attaque que je fais après avoir mangé n'importe quelle nourriture augmente de 100%. Ça va faire mal. Et tu peux, on va augmenter un peu notre vie. Parce que c'est vrai qu'on manque sacrément de PV. Hop. S'y approche. Hop là, le combo. Et hop. Un coffre. Avec des caisses qui contiennent de la nourriture. Miam. Des pièces, très bien. Ah, et le champi n'est plus très loin. Oh non. Je suis passé juste à côté. Mais qui est con. Ok, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon, ça pue. Ah, on sent mieux. Petite cure de désintoxication. Voilà. Et hop. Aïe. Bon ben, je me suis piqué la plante des pieds. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Tiens, mange un œuf.
À moi les pièces. Délicieuses pièces. Allez, continuons d'explorer encore un petit peu la zone. Et partons plus avant en exploration. Aïe. Ok, il fait bien mal quand il est dans cet état-là. Alors, donc on regarde par là, on regarde par ici, on saute là, 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 on saute là. Pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-la, hop. Putain, le pire, c'est de dire qu'on pourrait foutre une musique de Castlevania, ça passerait nickel. Et là, on se laisse tomber telle une petite fleur délicate avant de ramasser le délicieux champignon. Allez hop! Continuons de nous soigner et de glaner moult XP avant de partir plus avant en exploration. Ah bah, un checkpoint, parfait! Bon, vu la durée de l'épisode. Ouais, ça va, on peut continuer encore un petit peu. Ça va poser problème, ça va poser zéro problème, monseigneur. Allez. What? Ok, ça c'était pas prévu. Non, non, non. Ok, c'était très bizarre. On va retourner au checkpoint, hein. Ouh. C'était très 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 bizarre. Et ben, juste un petit check-up, nouvelle petite ellipse et hop. Ah oui, chers amis, oui, j'ai vu la durée de l'épisode en contre les ellipses, on peut continuer encore un petit peu. Je voudrais quand même pas vous faire un épisode plus court, de moindre qualité, et vous donner l'impression que je vous ai floué sur le contenu. Oui, c'est une maison sérieuse ici, mesdames et messieurs. Nous faisons du contenu qualitatif. Avec les moyens du bord, certes, mais qualitatif. Et ça, c'est important. Aïe. Respecte quand je donne la bonne parole aux viewers. Ok, toi, tu vas pas m'emmerder longtemps. Ok, on a repoussé le Villemunch. Hop là, allez viens. Raté. Ouh. Oh parfait, de la bouffe qui me régène, délicieuse nourriture qui me régène, oh c'est beau. La bouffe dans les jeux vidéo, on n'a rien inventé de mieux. Et les champignons qui augmentent vos capacités. Tu, vas-y, approche. 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 Je suis trop fort. Hop là. Ok. Non, 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 non. C'est pas passé loin. Non, non, tu me lâches. Vas-y, viens. S'y approche. Ah, bordel. C'est pas beau de vieillir, on commence à perdre des réflexes avec l'âge. Et bim.
et approche. Hop, et toi aussi t'as été eu. Hop là. Dans cette caisse, bien évidemment. Et apparemment, par là, il y aurait des trucs. Il y a des choses. Allez. Ma fille m'a eu. J'ai été eu. Non, lâche-moi. Hop là, ça passe. S'y approche. Allez. Allez, viens taper, viens. Où je te tiens. Et pef. Allez, donne-moi du lait. Merci pour le lait. Un plaisir. Et moi, avec toutes ces conneries, j'ai toujours pas trouvé de checkpoint. Hop, 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 ça se soigne. Aïe. Évidemment, c'est en ces moments-là que je n'ai plus de jeu pour balancer les sorts. Bien évidemment. Hop. Désintoxification à la lumière. Hop là. Hop. Hop. Peut-être quelque chose là-haut. Oh oui, il y a un coffre, mesdames et messieurs. Ok, on a expulsé Evil Munch. Maintenant, faut foncer dans la lumière. Le Evil Munch est par ici, je le sais. Je le sens. Il est là, quelque part. À hanter les lieux. À ne vouloir qu'une chose, reprendre le contrôle. Mais ça n'arrivera pas. Car je n'y pense que je suis né d'hier, mais je ne suis pas né d'hier, mais d'avant-hier. Ça fait une sacrée différence. Allez, spiff passe pouf. Bim, ça dégage. On récupère les pièces. On se purifie la lumière. Ah non, de Dieu. C'est que le jeu se complexifie ou alors c'est moi qui dis moins bon parce que j'ai dit. Et un nouveau checkpoint. Ouh. Eh ben mes chers amis, c'est sur ce checkpoint qu'on va se laisser.